J'ai pas la carte à regarder. C'est toi qui fais le montage après, donc c'est toi qui vas te faire chier. Non, c'est moi qui vais faire le montage. Tu fais exprès pour le faire chier. Okay. Alors, tu parles à quoi à gauche, à quoi à droite. Et yo les gens. Hello les gens, j'espère que vous allez bien. On n'arrive pas à tourner cette intro, donc on va la commencer comme ça. On a un fou rire depuis à peu près une demi-heure. Du coup, aujourd'hui, avec Colin, on n'est pas seul, on est accompagné de Pierre Sika. Et du coup, ce monsieur, il est... beau. Oui. Admettons, hein, admettons. Mais un peu con. T'es ensemble. Ah bon, on peut pas. Pardon. Suivez-moi si vous êtes beau, vous êtes un peu con, voilà c'est tout. Pierre Sika, magicien de père en fils, fils de boulanger, et hypnotiseur. Magicien de père en fils, fils de boulanger, j'étais là. En soi, c'est pas incompatible, hein, mais. Si t'as roulé dans la farine, pardon. Oh, oh oui. Oh oui. C'est bon. Tu vois, on l'a converti à notre nom de merde. On va essayer un minimum de garder notre calme pendant cette vidéo parce que là, ça part clairement mal. En vrai, les gens, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui concerne un sujet assez mystérieux. C'est l'hypnose, puisque je n'y croyais... enfin, je sais pas que j'y croyais pas ou que j'y croyais. J'avais pas d'avis, en fait, dessus. Et du coup, j'ai eu la preuve assez rapide que pour moi, c'est vrai. Et du coup, Pierre est là, du coup, pour nous en parler un petit peu et surtout pour vous montrer un petit peu des trucs drôles à part avant. Je vous jure, c'est pas moi, j'ai rien fait. Moi j'étais là, j'étais avec mon petit pansement de cœur. Ah non, mais tu l'as utilisé, c'est pour ça que je rigole. Ouais, non, bah là. C'est pour ça que je fais des blagues de merde, ça n'arrive jamais, moi. Parce que, oui, qu'est-ce que vous voulez savoir, les gars? Non, moi j'allais surtout te demander les dangers, s'il y a des dangers en gros. Il y a aucun. Je m'adresse à vous, ou à vous, ou à vous, je ne sais pas. Évidemment. Le relou, là, je vois le montage. Il y a aucun danger à se faire hypnotiser. Le seul. Vraiment, si on. On doit employer le mot danger, le seul danger dans l'hypnose, c'est pas l'hypnose, c'est l'hypnotiseur. Ce que je veux dire par là, c'est que on sait que l'hypnose n'est pas dangereuse, on sait comment amener les gens dedans, on sait comment les en sortir. Non mais il y a aucun. C'est impossible de tourner. Tu veux pas l'hypnotiser pour qu'il arrête de rire, qu'il puisse plus rire? Je veux juste écouter parler et j'ai rigolé. D'accord, voilà. C'est sympa. Je m'en vais vraiment là pour le coup. Donc, non, non, il n'y a aucun danger à l'hypnose, ce qui est dangereux, c'est l'hypnotiseur. Pourquoi? Parce que, comme on dit, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Non mais en vrai... Non mais c'est vrai, c'est pas des conneries. Je sais que c'est ça vient de Spider-Man, je sais que c'est l'oncle Ben qui est ça. Mais, l'idée c'est ça, c'est que si on tombe sur un hypnotiseur qui n'a pas forcément de bonne morale, il peut faire des choses vraiment, enfin je veux dire, bon, là tu portes pas de montre, portais pas de montre ou autre, mais comme je t'ai endormi tout à l'heure, je t'endors, je fouille dans tes poches, je prends ton portable, je me casse, tu te réveilles, tu sais pas qui je suis, donc faire tu me retrouver et je suis parti avec l'antenne quoi. Après le truc c'est que tu vas savoir d'emblée si je vais être réceptif. Mais je l'ai expliqué, puis je pourrais le réexpliquer ici, tout le monde n'est pas réceptif rapidement à l'hypnose. Enfin tout le monde est réceptif à l'hypnose, mais tout le monde ne l'est pas rapidement. En gros, une personne sur deux est réceptive rapidement. Et tout à l'heure, quand on a fait le test, t'étais pas seul à faire le test, tu l'as fait aussi. Et en tout, vous étiez 8 à faire le test. Et sur les 8 qui ont fait le test, il y en a eu 4 que j'ai endormi, ce qui prouve bien que. Bon, après, c'est. Voilà. Général, c'était pile voilà, sur deux. Le panel change un petit peu, mais là, c'était pile. Ça tapait pile dans le panel, mais ça, une personne sur deux réceptive rapidement. Donc en gros, je me balade dans la rue, sur deux personnes que je croise, il y en a une qui peut partir directement sans avoir besoin que je la prépare plus que ça, en fait. Quand tu prépares la personne, tu la prépares aussi à la sensation d'hypnose. Oui. Et la sensation d'hypnose, c'est quand même lâcher prise soudain. Et un lâcher prise soudain, ça s'apparente aussi à une sorte de malaise. Et donc, quand tu fais un malaise, à la fois un malaise, mais aussi avant de vivre. Enfin. Pour notre cas, vu que tu nous as préparé avant et que tu nous as rassuré. Oui, quand je dis malaise, c'est pas le moment malaisant, tu vois, c'est vraiment le malaise physique, quoi, le malaise vagal, tu tombes dans les pommes, voilà. Et donc c'est vrai que, ça veut dire, en gros, je marche dans la rue, je croise quelqu'un, boum, je l'endors, c'est-à-dire qu'il marche, il ne donne rien à la personne, d'un coup il tombe dans les pommes. Voilà, c'est pas forcément cool. C'est pas du tout suspect dans la rue. C'est super violent, quoi, quand même. Danger, faites attention à vous, ne vous faites pas endormir n'importe où, par n'importe qui. Ouais, je pense que c'est un truc qui ne peut pas arriver souvent. Ah, ben de plus en plus, il y a des groupes d'hypnotiseurs de rue, des street hypnoses. Je vais mettre des street hypnotiseurs à dos, mais c'est vrai que autant il y en a des bons, mais autant il y a pas mal de gens qui ont regardé 3 vidéos sur le net et 3 tutos. Et parce que du coup. Et qui pensent être hypnotiseurs, alors que hypnotiseur c'est beaucoup. Il m'a fallu presque 3 ans pour arriver à apprendre l'hypnose et à mettre un spectacle sur pied. Donc ça ne s'apprend pas comme ça l'hypnose. Il m'a fallu quand même. Pratiquement 17 ans pour arriver à, voilà, à ce qu'on appelle au-delà de ma petite ville.
Et donc je fais des spectacles de magie, bien entendu. J'ai un spectacle de magie enfant qui s'appelle Raconte-moi ta magie. J'ai le spectacle d'hypnose qui est sous deux versions, une grosse version qui s'appelle Prenez le contrôle, puisque le spectateur prend le contrôle du spectacle. J'en dis pas plus, mystère. Deuxième version qui est une version plus petite, que je joue beaucoup plus souvent pour le coup, puisque ça va dans les plus petites salles, et qui s'appelle Hypnose Expérience, donc voilà, magie pour enfants. Hypnose et bah, la magie que, sur la vidéo qu'on a fait sur ma chaîne. Vous avez un voilà. petit peu. Donc, si jamais la chaîne de Pierre est dans la description, évidemment, comme d'habitude. Donc, allez-y, abonnez-vous, mettez les pouces bleus. Mais pas tout de suite, attendez de finir celle-là. Oui, histoire de. Oui, c'est bien. Partez pas tout de suite, on a des choses oui, à faire. Oui, évidemment. Et donc, on a un spectacle, donc c'est un concept plus parce que ça, ça se joue dans les théâtres, dans les restaurants, pour des anniversaires privés ou autres, qui s'appelle Le Magicien. Parce que je fais des tours de magie, on comprend rien, c'est chiant. Le Magicien, voilà. C'est un petit concept. Ma dernière question chiante, ouais. Moi aussi je suis chiant. Je voulais savoir si selon toi, du coup l'hypnose est un don, ou si, en gros n'importe qui peut le faire avec de l'entraînement. Alors, c'est même pas selon moi, c'est la c'est général là pour ouais. le coup, c'est carrément pas un don. D'accord. Tout ce qui, tous les gens vont me faire croire, j'ai un don, je peux t'hypnotiser. Pipo. Parce que non, c'est pas un don, ça s'apprend. Malheureusement, je dis malheureusement, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est dangereux, c'est pas l'hypnose, c'est l'hypnotiseur. Et donc, si tout le monde peut l'apprendre, même des gens avec un petit grain peuvent l'apprendre, et donc forcément, ça peut faire des trucs pas très cool. Est-ce que toi aussi t'as des questions ou pas du tout? Parce que toi, tu l'as pas vécu tout à l'heure. Non, bah je l'ai pas vécu. Petite anecdote, on avait rendez-vous pour une escape game, et en fait, première chose qu'il a fait, c'est qu'on s'est dit bonjour, il est rentré dans la salle où il avait déjà hypnotisé des gens la veille, il est allé vers un des mecs, et par terre. Et là, quand de base tu dis ouais, je vais voir ça, etc. Et il lui a deux trucs, il dit deux mots, il est tombé par terre, il s'est relevé, il pensait être ivre. C'était étrange, d'accord. C'est vrai que quand on a calculé ça, on était avec As de Pique et Yudo, et quand on a calculé le fait que je rentre dans l'escape et j'endors, parce qu'on a passé la soirée d'hier avec les gens de l'escape et je les avais déjà travaillés pour qu'ils s'endorment assez facilement. Et quand on a pensé à ça, on n'a pas pensé à vous. On est mecs qui me connaissent pas, ils me disent wow, qu'est-ce qui se passe? Donc non, on n'avait pas pensé à ça, et c'est vrai que ça a pu vous choquer un petit peu. Ah bah on a dû enjamber un mec qui était, qu'on connaissait pas, on dormait en fait, En vrai c'est super rapide en fait, c'est... En fait on a l'impression que tu lui casses la tête. Non, je suis pas Jean-Claude Van Damme. Mais genre littéralement genre... En vrai j'ai abordé tous les sujets théoriques. Théoriques, donc je veux voir de la démonstration en fait. Tiens. Alors, bah oui ça va être pour toi. Est-ce que j'ai mes lunettes? Comme tu veux dire. Tu as eu tes lunettes tout à l'heure quand t'as fait le test ou pas? Oui. Garde tes lunettes, c'est pas bien. Tu m'écrases pas les lunettes sur le fond. Tu vas juste fixer ici le bout de ton doigt. Et plus le doigt se rapproche, et plus tu te rends compte que tu ressens la sensation de violette que tu as déjà connue remontant à toi. Sans que tu ne puisses rien y faire, sans que tu ne puisses lutter. Plus le doigt se rapproche, et plus ta vision périphérique se trouve. Plus le doigt se rapproche, et plus tes muscles se relâchent. Mais c'est uniquement lorsque ton doigt va toucher ton front que tes yeux vont se fermer volontairement. Maintenant, tu te concentres uniquement sur mon doigt et ton front qui sont en train de se coller, de se visser, complètement visser, coller, serrer, sans que tu ne puisses rien y faire, sans que tu ne puisses lutter. Tous tes muscles se relâchent de plus en plus, ta respiration est calme, lente, régulière, et à partir de maintenant, ton front et mon doigt sont totalement collés, si bien que si je pars vers la droite, alors ta tête part vers la droite, si je pars vers la gauche, ta tête part vers la gauche. Tous tes muscles se relâchent encore, 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 de plus en plus, de plus en plus, et si je pars vers l'avant, tu sens ta tête qui est inexorablement attirée vers l'avant, encore, de plus en plus. Coller, visser, serrer, puisque tu es maintenant en calme profond, tu es bien calme, relâché, de plus en plus calme, de plus en plus relâché, plus mes mots parviennent et plus tu t'enfonces tranquillement au plus profond de toi-même, de plus en plus, de plus en plus. Je vais demander maintenant d'avaler ta salive, avec ta salive qui descend en toi, je veux que tu t'enfonces tranquillement au plus profond de toi-même. Particulièrement, tu es au plus profond de ton subconscient et je vais pouvoir tranquillement insérer un ordre hypnotique. Cet ordre, il est tout simplement que, à partir de maintenant, tu as une phobie. Cette phobie, c'est tout simplement la phobie des briquets. Impossible pour toi de supporter la vue d'un briquet. Sans que tu ne puisses rien y faire, sans que tu ne puisses lutter, le simple fait de voir un briquet et la peur t'envahit. Une seule envie, fuir cet objet. C'est bien, c'est... Ah, il est revenu, il est revenu, il est revenu, il est revenu. Ah. Tiens, rigolé. Allez, les récits arrivent alors. Tu peux nous expliquer parce que, alors, c'est bien de faire, voilà, de faire une hypnose et donc pour le coup, tout à l'heure, il s'est endormi très facilement, t'es resté collé au sol. Alors, il y a un truc que, avant que tu débriefes, que tu dis, voilà,
Je sais pas si vous remarquez, on le voit peut-être plus à cette caméra. Si vous regardez un peu sa tête, il a un encéphalorectomie. Vous connaissez l'encéphalorectomie ? L'encéphalorectomie, la tête dans le cul. Voilà, l'encéphalorectomie. Donc, ça se remarque bien. Et donc voilà, donc l'ordre n'a pas été programmé, forcément, il s'est réveillé. Mais c'est vrai que tout à l'heure, j'ai déjà remarqué pendant toute la petite séance qu'on a fait en amont que tu luttais à fond pour aller à l'encontre de l'hypnose. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé collé au sol. Je lui ai demandé de me checker, il a essayé de lever la main, ça ne bougeait pas. Et après, quand je suis parti sur les autres, j'ai vu qu'il commençait à essayer de. Il faut que j'arrive à me décoller. Il est à fond dans contrer ce que son cerveau lui dit. Bah, c'est ça, et aussi surtout, j'essaye de me prouver que ce que je ressens n'est pas vrai en fait. Oui, t'es bien resté collé au sol. Je confirme. Mais t'es bien tombé comme un caca ici. En gros, l'hypnose, c'est le point de bascule entre l'éveil et le sommeil. Donc en gros, ce qu'on vient de faire, ça c'est l'éveil, ça c'est le sommeil. Moi, le but c'est de le placer ici entre les deux. Et là, en gros, ce qu'on a fait, c'est ça. Hop, et puis tout doucement, pour une raison qu'il peut nous expliquer ou pas. Après, ça va dépendre de toi, je sais pas. Il est revenu sur la phase d'éveil. En vrai, c'est un truc tout con. Hein. Vas-y. Mais je crois que je suis resté bloqué sur mes lunettes. Non, mais je te jure, en fait, mes lunettes me faisaient mal, en fait. Tu te le faisais peur pour tes lunettes. Ouais, j'ai peur pour mes lunettes, et en plus de ça, elles me faisaient mal, parce que du coup, j'étais dans ton bras, ou je sais pas où. C'est pas. Si je dis l'information sur le fait qu'il est réellement passé en état hypnotique, et qu'il a toujours la tête dans le cul. J'avais peur de les casser, et en même temps, ça m'appuyait sur le visage, j'avais mal. Du coup, je vais essayer sans les lunettes. Si tu veux. Oui. Bah, en fait, vu que j'ai soupçon que ce soit ça, en fait, qui m'est. Parce que, pareil, cet après-midi, à un moment, quand tu as. Enfin, je sais plus ce que tu avais fait exactement, et du coup, j'avais eu un choc avec mes lunettes, et ouais. Toujours en encéphalorectomie, mais retourne. Ouais, j'ai un peu la tête dans le cul, en vrai. Mais, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est parce que je me suis réveillé moi-même, du coup, c'est ce que tu avais l'air de dire. Si. Ou. En tout cas, ouais, j'ai l'impression de. En fait, depuis tout à l'heure, il parle autour de moi parce qu'on a changé les caméras pour remettre de la batterie, c'était marrant. Du coup, et bizarre, j'ai l'impression qu'il parle depuis tout à l'heure et que je suis pas dans la même pièce qu'eux, mais que je les entends en fait. Vraiment. C'est bizarre. C'est la sensation que j'ai eue là pendant 2-3 minutes. Ouais, ici, j'ai trouvé que tu me regardes dans les yeux. Je vais me donner un chiffre entre 1 et 5, le chiffre que tu veux. 4. 4, ça va être ton chiffre d'endormissement. Donc, comme d'instant, je vais compter de 1 jusqu'à 4. Et celui compte de 4. Tes yeux vont se fermer hermétiquement totalement et tu vas partir instantanément sur les profonds. Je compte 1, tu prends une profonde inspiration. 2, tu expires profondément. 3, tu sens tous tes muscles se relâcher. Ta vision périphérique est totalement troublée à part le son de ma voix et mon regard. Plus rien n'a d'importance, mais c'est uniquement lorsque je compte le chiffre 4. Tu deviens calme, relâché, de plus en plus calme, de plus en plus relâché. Plus mes mots te parviennent et plus tu t'enfonces tranquillement au plus profond de toi-même. Encore, 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 de plus en plus. Et c'est à partir de maintenant, je vais juste modifier ta mémoire. Je vais juste supprimer de ta mémoire le chiffre 5. Si bien que dans quelques instants, tu vas pouvoir compter 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, mais tu seras dans l'incapacité la plus totale de te rappeler ou de prononcer le chiffre 5. Toujours les yeux hermétiquement fermés, mais à haute voix, tu comptes maintenant de 1 jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je retiens maintenant totalement le chiffre 5 de ta mémoire. Tu es dans l'incapacité la plus totale de t'en rappeler ou de prononcer ce chiffre. Et je compte 1, tu reviens tranquillement parmi nous. 2, cet ordre s'imprègne dans ton esprit, incapacité la plus totale de te rappeler et de prononcer ce fameux chiffre. Et je compte 1, tu résumes. Ça va ? Ça va. La tête dans le cul, ça va toujours ? Ouais, ça va. Alors des fois, les ordres ont du mal à rentrer dans la tête, ça arrive. Hein. Et alors pour expliquer pourquoi, c'est super compliqué, on va jusqu'à me vérifier que des fois ça ne prend pas sur le moment, puis ça met du temps à arriver. Mais tu as combien de doigts en tout? J'en ai 5. Ah, 5, ok, c'est pas ça. Non, mais attends, ça arrive, hein, ça arrive régulièrement que tu donnes l'ordre, l'ordre ne s'imprègne pas de suite et il s'imprègne après. Donc pour le coup, tu es réceptif à l'hypnose, mais pas assez pour que les ordres percutent réellement dans ton cerveau et s'imprègnent. Au moins, tu auras pu leur montrer ce que c'était l'hypnose, ce que c'était quand tu pars avec ta hypnose, la vitesse à laquelle on peut partir. C'est ça. En fait, outre le fait que du coup, ça a pas, les ordres n'ont pas marché, j'ai quand même ressenti des sensations un peu spéciales en fait. Et ça se trouve, demain, tu auras moyen de les endormir comme le gars. Oui. Il y a un gars, ça n'avait pas marché, le jour même, mais le lendemain, ça avait Le rapport à l'hypnose évolue tout le temps. Mm. C'est-à-dire que disons que ça ne marche pas au début d'un spectacle, à l'entrée, je peux les endormir. Des fois c'est sur un spectacle ça marche pas mais ils se régalent, ils reviennent la suite d'après et ils sont sur scène. Des fois ça prend plusieurs fois, des fois et on peut pas le deviner. Enfin tu vois, si on pouvait arriver à gérer par contre ça, ce
ce serait génial, parce que ça veut dire on pourrait faire vraiment n'importe quoi à n'importe ouais. qui. Enfin, ce serait génial. ce serait génial parce qu'il n'y aurait plus de guerre dans le monde, parce que tu pourrais faire ce que tu veux, ça serait génial pour tout ça. Bon, ce serait pas génial parce qu'il y aurait toujours un petit connard qui arriverait et qui s'en foutrait. Bah, c'est ça. Mais voilà, mais dans le jeu, ce serait génial aussi pour régler des soucis, ce serait cool. As-2 Ouais. Je te laisse me faire. Messieurs, dames, je me mets là. As de pique. As de, du coup, vous avez déjà pu voir sur la chaîne, puisqu'on avait déjà fait des collabs sur Sea of Thieves et Sea of Thieves. Et c'est Sea of Thieves, voilà, bien sûr. C'était varié. On a fait beaucoup de Sea of Thieves, c'est un peu notre galion de l'amour avec Yudo. Du coup, eh bien, As de est un peu plus apparemment réceptif. Après, t'avais fait plus d'expérimentation par alors, aussi. As de pique, je l'ai endormi pour la première fois au Mangame Show à Fréjus il y a un an. Ouais. Puis donc en soirée, puis le lendemain je l'ai rendormi, il a fait 1h30 sur scène avec moi. Que je ne me souviens quasiment pas. Hein. Pour moi ça a duré 10 minutes sur 1h30. Tu te souviens des actions quand même. Je me souviens des actions, mais ça a duré 10 minutes, c'était condensé. Ah, ouais, c'était une belle heure et demie. Puis on s'est revu à l'ouverture de ma chaîne quand je suis venu le voir pour faire une petite collab sympathique en magie. Ben, on a profité pour parler un peu d'hypnose sur sa chaîne et donc le rendormir. Il y a une petite vidéo où il a rencontré Rihanna et où il était au Japon. Qui est toujours exposé derrière moi d'ailleurs. Qui est toujours la photo avec, avec Rihanna. C'est pas Rihanna en vrai. Bon, et après je t'ai rendormi quand j'ai plus assez de doigts pour compter. Hein. Hier, il doit y avoir un live, un replay de live traîne quelque part où vous l'entendrez parler chinois, russe. Donc au bout d'un moment, je sais même plus quoi lui faire faire au bout d'un moment au type. Hein. Il y a beaucoup de choses, mais tu regardes ici, hein, de toute façon, il est profond. Tu me relâches, tu t'enfonces tranquillement au plus profond de toi-même, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Maintenant, depuis que je vais juste mettre entre tes mains une arme. Cette arme est une arme de guerre, puisque tu n'es plus As de Pique, mais tu es tout simplement un militaire envoyé ici pour la sécurité du tournage. D'ailleurs, sur le compte de 3, tes yeux vont s'ouvrir, tu vas prendre une pleine position de tes moyens, mais tu seras dans l'obligation la plus totale de faire des rondes partout dans l'appartement de manière à protéger tous ses occupants d'une éventuelle attaque. Je compte 1, tu reviens tranquillement parmi nous. Je compte 2, je mets cet ordre au plus profond de ton esprit à partir du moment où tu es devenu un militaire ici pour défendre le tournage. Et je compte 3, tu vois les yeux maintenant. Tout va bien ? Moi ça va. Tout va bien. Ok. Donc si tu as des questions encore, si vous avez des questions tous les deux. Et bien sur ce les amis, S2 est en train de partir là. Je crois qu'il y a un moyen de virer, soulève le pied. Je regarde le balcon, allez, vérifie dehors. Là actuellement, S2, on voit pas très bien avec la softbox, mais en gros, est sur le balcon et vérifie l'extérieur. Rien à signaler ? Non, c'est tout bon. Ok. Je sais même pas s'il y a quelque chose à expliquer. C'est fou en vrai. Il est avec son arme. Tchic, toutes les portes de la maison. Ah. Ton couloir, pas le nôtre. Il est là. C'est bon, continuez, tout se passe bien. Le truc qui est ouf, c'est que je pense qu'il y a des réflexes parce que du coup, en Suisse, il a fait l'armée. Et c'est du coup, c'est ça qui... Là, pour le coup, son cerveau, c'est même plus, il crée quelque chose. C'est pour ça que, pour pouvoir vous montrer jusqu'où on peut aller, c'est que, comme je savais qu'AS2 était retourné en Suisse pour faire, il y a un petit moment maintenant, mais pour faire l'armée, et que l'armée en Suisse, ça dure 21 mois, c'est très très long, donc ça marque vraiment les esprits. Je me suis dit, tiens, ce serait pas mal de lui faire revivre ses souvenirs. Et donc forcément, quand on fait une hypnose où on fait complètement créer quelque chose, comme tout à l'heure, je voulais te mettre la phobie d'imbriquer, c'est-à-dire que le cerveau te crée une phobie, c'est compliqué, alors que se rappeler de quelque chose que tu as déjà vécu, c'est hyper simple. Donc voilà pourquoi j'ai mis ça, pour être sûr d'avoir un ordre qui marche direct et qui part. Ouais. Mais depuis que je suis arrivé là, hier, si on fait un ordre décroissant... C'est pas cher. C'est le chien. Tout va bien ? Oui, tout va bien. D'accord. Pas. D'accord.
Donc il a été bourré à 3 grammes alors qu'il avait bu une goutte d'alcool. Il a parlé donc chinois, il a parlé russe. Il a eu la phobie de judo. La phobie de quelqu'un, c'est assez fort. Il a été transformé en maître Yoda. Très très drôle. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il ne savait plus se servir d'un cadenas. Ça, c'était assez drôle. Il y avait un cadenas d'un côté, une clé de l'autre, et puis il nous affirmait que la clé n'avait rien à voir avec le reste et qu'il pouvait ouvrir le cadenas sans la clé. Je savais pas. Donc c'est assez, assez marrant. Du coup, avec ta clé, ça va, tu t'en sors? T'as l'autre ustensile si tu veux avec. Mais ça, c'est rien à voir. Ça va avec. Donc il y a un problème. On en a chez nous. On en a à la maison. Les mêmes. Ah, attends. C'est revenu. On a fait plein de choses et il avait pendant qu'on a tourné, des boutons, des interrupteurs sont devenus brûlants et il ne pouvait pas cligner. Juste sur ses interrupteurs. Les boutons sont chauds, hein. Ouais, regarde voir si c'est problème, normal, hein. Mais je vais les reposer sur le trépied et on en discute. Non, je l'ai un peu maltraité. Il a pris cher. Ouais. Bon, et bien du coup, merci beaucoup Pierre. Merci à vous cette démonstration parce que du coup, sur nous, ça n'a pas fonctionné, on va dire à 100%. Bah, sur moi, pour le coup, ça n'a pas fonctionné. Du tout. Moi, pour le coup, du tout. Ouais. Mais ça veut pas dire que tu n'es pas réceptif, tout le monde est réceptif. Ça veut dire que c'était pas le moment. Peut-être que tu n'en savais pas assez sur l'hypnose pour que le cerveau accepte de lâcher prise, parce que c'est important. Peut-être que tu ne me connaissais pas assez aussi, parce que c'est vrai qu'il faut accepter de lâcher prise avec un inconnu. Plein de raisons qui font que voilà, peut-être c'était pas le moment. Puis on se retrouvera peut-être pour une prochaine vidéo, et puis c'est toi qui seras avec la phobie des carottes, j'en sais rien. La phobie des carottes, c'est beau. Du coup, les gens, n'hésitez pas à aller check sa chaîne dans la description et aussi ici, tant qu'à faire, à mettre un pouce bleu si ça vous a plu et que vous en voulez à l'occasion. Nous, on vous fait des bisous et on vous dit à bientôt. Ciao tout le monde. Ciao. Va réveiller le caporage. Oui. Vous pouvez venir? Il y a un petit souci par ici. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste, là, je vous montre, c'est juste que tout bien normal, ça va? Oh putain, ok. Oh putain, mais quel con. Tu te souviens de ce que t'as fait? Ouais, je suis balcon et... T'allais faire quoi dans le balcon et le couloir? Bah j'inspectais dehors, ça allait, et puis je suis allé fermer la porte à clé. Et tu sais ce que tu disais au chien? Ouais, j'ai dit silence. Mais c'est dur en plus, hein.